Allez, y'a tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler du GTA Plus qu'il y a sur GTA Online qui va jusqu'au 11 octobre. Mais juste avant de commencer la vidéo, toujours pareil, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à lâcher le petit like. Ça fait toujours super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et vous connaissez la chanson, on peut commencer la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que le GTA Plus? Je vous le rappelle à chaque mois. Eh bien, c'est un abonnement mensuel que vous avez sur GTA Next Gen, donc sur GTA, donc la version PS5 et la version Xbox Series X et S, donc les Next Gen, donc ouais, la version Next Gen, mais c'est sur ces différentes plateformes là, pas sur PS4, Xbox One et PC, je vous le rappelle. Donc allez, on est parti. Comme chaque mois, et bien vous avez vos 500 000 GTA dollars qui vous sont offerts, donc franchement c'est plutôt pas mal. En doublé, vous avez le mode assaut sur Caio Perico, et ensuite vous avez les mal cachés. Donc voilà, je vous avais fait la vidéo, je vous la mets, comme ça n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. En doublé pour juste l'argent, et bien vous avez l'événement fourgon blindé, enfin juste l'argent, ce qu'il y a dedans quoi. Ensuite en 1,5 doublé les GTA dollars et les RP, je sais toujours pas comment on dit en 1,5, en 1,5 doublé, ah ouais 1,5 c'est pas mal. Vous avez les contre-la-montre DAO, voilà, très facile si vous voulez les réaliser, des fois tu galères moins sur ce DAO que sur ce normaux, donc voilà. À moins de 30% vous avez tous les bateaux sauf le Kraken et le Sea Shark, donc le Kraken, le sous-marin, et le Sea Shark, donc le petit jet ski. Je sais pas pourquoi ils se sont dit on va pas mettre ces deux là. Ça sert à quoi? Ça sert un peu à rien, mais bon, c'est pas grave. À la concession auto Vinewood Car Club, vous avez plein de véhicules. Donc vous avez la Deluxo, vous avez l'Oppressor, vous avez la Krieger, vous avez la S95, vous avez l'Entity MT, vous avez la S2 Cabrio. Vous avez le Granger 3600 LX, vous avez la Raiden et vous avez la Paragon R. Ensuite pour les vêtements, alors j'en avais vu donc sur la vidéo du contenu, et bien de tout ce qui était sur le jeu, j'avais pas cité ces vêtements là, mais je les avais pas cités parce que c'était avec le GTA Plus, donc c'était pas gratuit pour ceux qui les voulaient vraiment, et je trouvais ça un peu dommage. Donc tout d'abord vous avez le t-shirt San Andreas Federal Reserve. T'as vu le bel accent anglais quoi. Ensuite t'as le t-shirt Republican Space Rangers. Et enfin tu as le sweat You Own Los Santos. Et celui-là est trop stylé je trouve. Il claque trop. Ensuite de gratuit vous avez la nouvelle voiture de cette semaine. Donc la Bravado Outring Hellfire. Vous avez les motifs PSNQS pour la Outring Hellfire. Vous avez la peinture caméléon orange et bleu flip. Vous avez de plus une peinture caméléon pour vos roues. Donc chaque mois il y en a, etc. Ben là c'est pareil. Vous avez la demande de véhicule à partir du menu d'interaction gratuite. Vous avez les compétences de gratuites toujours. Donc les compétences de PDG. Et enfin vous avez, comme tout le temps en fait, le service de taxi plus la réduction du cooldown. Et puis voilà pour ce petit GTA Plus. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon, en tout cas, tant qu'il n'y a pas marqué la Panthère est disponible pour ceux du GTA+, ça va encore, on le digère pas mal. Personnellement, moi je suis pas abonné au GTA+, donc c'est pour ça. Mais je le digère bien quand il n'y a pas quelque chose de fou. Parce que quand il y a marqué la Panthère est disponible ou les diamants sont disponibles pour le braquage du Diamond Casino, ah, là tu deviens vert quoi. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis bon game sur GTA Online, c'était BGK, merci à vous, ciao tout le monde.